commencé le tuba assez jeune, puisque en fait je viens d'une région du sud-ouest de la France où il y a pas mal d'harmonie. J'avais mon père qui faisait du tuba dans ses harmonies, comme j'ai commencé à 5 ans, voilà, donc j'ai commencé avec cet instrument. La chance de gagner cette bourse Yamaha, cela m'a permis, vu que j'étais en fin de conservatoire supérieur, donc je rentrais dans la vie professionnelle et ça m'a permis de m'acheter mon propre instrument, mon premier instrument, et bien sûr un Yamaha. Un jour, nous avons vu cette, avec plusieurs copains, je me souviens, nous avons vu cette affiche pour les bourses d'études Yamaha et il fallait jouer à peu près une vingtaine de minutes, je crois, en direct, comme un concert. Et donc, moi, je me suis inscrit tout naturellement et j'ai eu la chance de gagner la bourse. Alors, je me souviens plus en fait quelle somme c'était. Je crois que c'était une vingtaine de milliers de francs. Enfin, c'était une somme très importante. Et j'ai pu acheter mon premier piano. Je ne vous cacherai pas que c'était un piano Yamaha, vous n'en serez pas surpris. Et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est un piano que j'ai toujours. Je suis issu d'une famille de musiciens et très vite j'ai voulu faire de la musique comme mes parents. Donc j'ai commencé à l'école, dans une école à horaire aménagé à musique. Et puis tout simplement on m'a présenté tous les instruments de l'orchestre et j'ai préféré le trombone. J'étais donc en train de terminer mes études au Conservatoire de Paris et j'étais donc un jeune étudiant avec pas beaucoup d'argent et cette bourse m'a permis donc de préparer tranquillement, avec facilité, la préparation des concours internationaux et concours d'orchestre. Quelques mois plus tard, je suis donc rentré trombone solo à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Mon père avait un talent de pianiste que ses parents n'ont pas pu vraiment mettre en œuvre. Je l'ai vu jouer très souvent du Chopin, le concerto de Grieg. Il avait un très bon niveau d'amateur. Hein, et simplement, il ne lisait pas comme un professionnel. Alors, je me souviens d'une petite anecdote. Il devait écrire le nom des notes au-dessus des accords. Alors, par exemple, sa partition du concerto de Schumann était bourrée de petits noms de notes. Alors, quand il y avait des accords de 5 notes, ça faisait 5 petits noms au-dessus de chaque note. Donc voilà, c'est une petite anecdote et puis après j'ai continué. J'ai réussi à m'inscrire finalement au conservatoire d'Évreux, qui était la ville la plus proche. Et j'ai fait mes études, mes premières études là-bas en fait.